Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais pas chanter une chanson, je vais laisser Elodie faire ça, elle le fait très très bien. Je voudrais d'abord qu'on applaudisse très fort Mélodie qui animera la soirée ce soir. Voilà. Alors merci d'être présent ce soir à cet afterwork. On essaye de faire avec Welcome Magazine tous les trois mois une petite soirée chez nos partenaires pour vous remercier, parce que si le magazine existe depuis déjà 8 ans, c'est le numéro 30, c'est grâce à vous et grâce à votre confiance et à votre fidélité. Je voudrais remercier aussi le propriétaire du Panorama, David Donatonic, qu'on applaudit aussi très très fort, s'il vous plaît. Bravo, parce bravo, qu'il nous reçoit avec son équipe dans un endroit vraiment que j'aime beaucoup. Je vous invite aussi à découvrir le restaurant avec le chef Raphaël Petitjean, qui est notre chef d'exception dans le magazine cette fois-ci, qu'on applaudit aussi très très fort. Bravo. C'est un chef qui travaille les produits bio, les légumes bio, et franchement, je vous invite à venir déjeuner dans ce restaurant le midi, par exemple, parce que vous avez une vue sur les vignes qui est juste exceptionnelle, à presque 360 degrés. Hein. C'est un hôtel qui comporte 66 chambres, une villa privative avec piscine, salle de sport qui est sur le côté, vraiment, et un restaurant... que j'invite vraiment les Beaunois, parce que souvent les restaurants des hôtels, on a un peu peur d'y aller, on a l'impression que c'est réservé aux résidents de l'hôtel, mais non, je vous invite à venir parce que c'est un restaurant d'abord de qualité, avec une équipe qui est vraiment très chaleureuse, très accueillante, c'est ouvert tous les jours, midi et soir, et donc je vous invite à venir à ce restaurant. Voilà, donc merci à toi Davy de me faire confiance, merci de nous accueillir ce soir. Et merci à toute ton équipe et à Raphaël Petitjean, le chef, voilà, qui va faire aussi un petit show avec sa... Raphaël, viens voir, tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, j'ai pas tout compris. L'histoire du silure fumé, c'est une production... Le silure, déjà, c'est un produit qu'on n'utilisait pas trop dans la région, qui est dommage, parce qu'on en a plein nos rivières, déjà. Et en plus, on a réussi à travailler un produit qui pourrait être sympathique en plus pour tous les jours, à des rapports qualité-prix aussi très intéressants pour tout le monde. Et en même temps, on le travaille en plusieurs façons. Là, ce soir, je fais en silure fumée. Mais dans le restaurant, on le fait avec du chorizo, avec du gingembre, avec des choses comme ça, pour lui ramener un peu de caractère. Et ça fait des plats quand même qui sont extraordinaires. Ça ressemble un peu au cabillaud et à la lotte, c'est entre les deux. Et on a vraiment un produit d'exception, mais que personne ne connaît absolument. Et vraiment, en vrai, c'est que du bonheur, quoi. De travailler avec Donatonic, en plus, c'est quand même impressionnant. Non, rajoute pas, non, rajoute pas. Mais voilà, après, il me laisse faire, donc on a que du plaisir et que du bonheur à faire la cuisine dans cet établissement depuis quelques mois maintenant. Et non, c'est sympa. Vraiment, merci. Merci à vous. Merci à vous, chef. Merci aussi à Philippe et Stéphane, hein, qui dirige cet établissement. Davy, je sais qu'il n'aime pas trop parler, mais il vous fera une petite chorégraphie tout à l'heure. Il a été pris pour Danse avec les Stars en Moldavie, je crois, c'est ça. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Tu nous feras un petit truc tout à l'heure. Alors oui, donc Welcome Magazine, ça fait 8 ans. On a démarré à Beaune en 2011. On était d'abord dans local, puis en Côte d'Or, et puis aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté. On est distribué de Chalon-sur-Saône à Besançon. On a aussi la chance d'avoir une édition à Marrakech depuis 2 ans. Et c'est pour ça que quand les gens me voient sur les réseaux sociaux, je vais bien sûr travailler à Marrakech. Je ne vais pas me reposer ou faire la fête. C'est parce que mon épouse est là, donc c'est pour juste lui prouver que je vais travailler à Marrakech et non faire la fête. Voilà. Donc je vous laisse découvrir aussi Welcome Magazine, que vous trouverez un peu partout, dans toutes les belles adresses, avec en couverture Nico Saliagas. Donc il y en a qui m'ont dit, oui, il y a un peu de privilégié, parce que ça fait 2 fois qu'il fait la couverture. Effectivement, Nico, c'est un ami, il m'a aussi aidé à avoir quelques belles personnalités, comme Eva Longoria, par exemple, ou Jen Fonda. Ce que je tiens à préciser, que ce sont des interviews exclusives au magazine, ce ne sont pas des interviews achetées. Donc toutes les interviews que nous faisons en couverture du magazine, ce sont des interviews qu'on fait pour Welcome Magazine. Voilà. Je voudrais remercier aussi les domaines qui sont présents ce soir pour les dégustations. Il y a le domaine Gouffier, que je ne connaissais pas et qui est vraiment un domaine assez épatant, à Fontaine. Le domaine Vincent Girardin à Meursault, qui est un fidèle de Welcome Magazine. Il y a le domaine Cacha Okidan. Merci David de Ladois Sérigny, qui est venu avec son fan club ce soir. Et il y a le domaine Vito Alberti à Rugy pour le Crément. Voilà, je remercie aussi le Crément Veuve en Balle aussi.
Et surtout, voilà, merci vraiment à vous de votre confiance. Le magazine ne pourrait pas exister avec une fidélité qui est la vôtre. Je suis fier de faire cet afterwork, bien sûr, ici, chez Davy, parce que c'est d'abord un ami de longue date, et puis à Beaune, parce que vous savez que je suis beaunois depuis 15 ans, et que je suis fier de l'être, et que j'en parle à chaque fois que je fais des émissions, quoi, j'aime prononcer le mot Beaune. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des amis dijonnais, ne soyez pas jaloux. Hein, j'ai essayé d'habiter à Dijon, j'ai pas réussi. Mais voilà, merci à vous tous. Merci à Mélodie, qui va enflammer la piste dans quelques instants. Et puis, s'il y a des amateurs de chant ou de musique, n'hésitez pas à aller la voir. Elle vous recevra avec grand plaisir. Merci à tous.